disponible, ancien collaborateur qui avait géré votre station d'alors à profit du feu. Aujourd'hui, quels sont vos sentiments vraiment? Écoute, ce sentiment de fatalité, c'est la destinée humaine. Yero, quand il était un grand homme, il a beaucoup lutté politiquement avec nous déjà. En 2010, dans le cadre du Parti Plus, dans le cadre du RPG Arc-en-Ciel, qui s'est beaucoup battu. C'est un des grands journalistes qui a même lancé la station Espace avec Condé et compagnie. C'était un grand professionnel de la communication qui, depuis maintenant quelques années, apportait son soutien à la CENI. C'est une grande perte pour sa famille, c'est une grande perte pour ses amis, mais aussi une grande perte pour toute la nation. Merci.